Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un haul BM Action et aussi un petit achat du marché. J'ai été me chercher un tapis. Il fallait absolument que je change l'ancien que j'avais. On y va, let's go, je vous montre tous mes achats. On va commencer par ce produit-là. Franchement, c'est une découverte pour moi parce que je n'ai jamais testé. Et je voyais que dans le rayon, il n'en restait quasiment plus. Donc j'ai sauté sur l'occasion d'en prendre un. Son prix est de 1,62€. L'odeur est très puissante et elle reste très longtemps sur les surfaces. On arrive à la période hivernale et ça, c'est un incontournable. Je l'achète tous les ans. Ça fait 3 ans que je l'ai découvert. Et chaque année, je fais mon stock pour tout l'hiver parce qu'après, il n'y en a plus du tout en rayon. Pour enlever tout le gel qu'il y a sur vos vitres et c'est beaucoup mieux que de mettre de l'eau chaude. Son prix est de 1,89€. J'ai trouvé ces deux produits là qui sont un dupe d'une marque connue. Ils étaient vraiment pas chers, à 1,59€, quelque chose comme ça. Donc vous avez le contour et le blush. J'ai testé la pigmentation et franchement c'est plutôt pas mal. C'est un genre de vieux rose et en plus le fini est vraiment pailleté. Pour celui-ci, j'ai pas encore vu. Le prix de 1,95€ l'unité. J'ai trouvé cette cloche en plastique. Bon, ça en avait déjà une en verre, plus grande. Et là, j'ai sauté sur l'occasion d'en prendre une plus petite pour mettre tout ce qui est biscuits, cookies ou petits layer cake. Et pour le prix vraiment intéressant, on est à 3,99€. J'ai aussi pris des gants pour le nettoyage. J'ai pris une taille L, je m'en suis pas rendu compte, j'aurais dû prendre plus petit. Mais faites attention, vous aussi, il y a 3 tailles différentes. On continue avec le rayon ménager. Et là, j'ai voulu essayer les cristaux de soude liquide. Apparemment, c'est vraiment top pour tout ce qui est... ça dégraisse en fait les surfaces. Il est à 1,77€. Le prix est de 1,49€. Je l'utilise pour mes lessives, j'en mets dans la machine à laver. Ça permet de vraiment désodoriser votre linge. Pareil dans les chaussures, sur les tapis, avant de passer l'aspirateur, c'est vraiment top. J'ai trouvé un lot de chaussettes. Regardez-moi cette épaisseur, c'est vraiment trop mignon. Il y avait des pyjamas, 2 pièces à 10€ et quelques. Très très chaud, moumoute. Je vous mettrai la photo à côté. Et je n'en ai trouvé absolument aucun. Donc j'étais vraiment dégoûtée de ne pas en trouver. J'aurais trop aimé avoir un ensemble beige avec des chaussettes beige. Voilà. Il y avait ce produit-là qui est en semaine d'action. Il était à 89 centimes. Vous avez vanille ou strawberry. Fraise du coup. Moi j'ai pris de la vanille. J'ai pris de la colle. Bon ça c'est vraiment pour voilà, des petits bricolages. S'il y a des choses à coller. Celui-ci est à 1,75€. Je vais tester sur mes supports à balai et serpillère que j'ai essayé l'autre jour de coller, qui se sont décollés. J'ai pris un torchon. Ceux-là, ils sont vraiment super pour nettoyer les vitres, pour éviter qu'il y ait des traces sur vos meubles aussi. À 72 centimes l'unité. Je vais tester ce gommage-là. Alors apparemment, c'est l'acide hyaluronique, l'acide lactique. Bon, moi, je voulais juste un gommage pour le visage. Et il est à... 1,59€ pour 75 ml. Franchement, c'est vraiment intéressant en termes de prix. J'ai pris aussi un agenda, là vraiment pour bien m'organiser. Vraiment, il est top. Vous avez un marque-page. Déjà, il est au prix de 2,69€. Vous avez les jours. Là, du coup, vous avez le mois en entier. Et le menu de la semaine. Ça, c'est vraiment trop bien parce que du coup, vous pouvez vous organiser. Vous avez 2 lignes, histoire de faire matin et soir, ou voilà. Et là, les tâches ou les courses, c'est vraiment top. Je pense que vous avez dû le voir partout. J'ai craqué pour ce petit service avec une planche noire et des petits bocaux en verre. Et vous allez voir qu'il n'est pas si petit que ça. Je l'ai payé 4,99€ et on va le déballer ensemble. Regardez-moi ça. Regardez ce que j'ai trouvé chez Action. C'est un distributeur à eau, donc ça tombe à la parfaite
température. Vous avez une capacité de 2 litres et demi, donc vous pouvez clairement vider une bouteille d'eau minérale dedans. Et puis vous avez du coup tout le temps de l'eau chaude à disposition. C'est prêt en 5 secondes et vous avez la possibilité de stopper la quantité que vous voulez, sinon ça vous met 200 ml d'eau. Je l'ai eu pour 39,95 et on va voir ce que ça donne. Je passe en voix off pour le reste de la vidéo. Vous avez la possibilité de mettre de l'eau du robinet, vous avez un filtre du coup à eau à l'intérieur. Et comment vous dire, en 5 secondes, vous avez votre thé qui est prêt à bonne température. On passe au hall B et M. J'ai pris des mochis, myrtille et melon. Je ne vous cache pas que c'est monsieur qui aime beaucoup ça. Mais ceux à la myrtille étaient très bons. J'ai trouvé ces assiettes creuses qui allaient super bien avec mon ancien service que j'avais pris de chez B&M aussi. J'en ai pris que deux car l'unité coûtait 4 euros. Mais c'est vrai qu'on peut en s'en servir comme bol aussi ou comme saladier. J'ai refait mon stock de produits d'Asti. Ce sont mes préférés, surtout le bleu. Il a une superbe odeur et le blanc est hyper efficace pour les toilettes. J'ai pris aussi plein de produits ménagers que j'ai testés. Il est très bonne surprise, vraiment. Que ce soit pour le gel lave-vaisselle ou le produit pour le sol. J'ai craqué sur ce vase aussi qui coûtait à peine 4 euros. Et j'y ai mis du coup des feuilles d'eucalyptus que je vais disposer dans la cuisine. Je vous montre le rendu. J'ai trouvé une gourde en plastique à 2 euros et quelques pour mon fils avec un système de paille vraiment pratique. Très mignon. J'en ai profité pour prendre une coloration et je sais pas si vous avez vu en début de vidéo, du coup je l'avais déjà faite et voilà, vous pourrez voir le rendu. Je vous mettrai aussi d'autres vidéos de ma couleur. J'ai pris des serviettes noires, ça rend vraiment trop bien avec le petit service. Et j'enchaîne du coup avec la disposition du nouveau tapis. J'ai eu l'aide des garçons qui m'ont aidé à tout mettre en place. J'en profite pour passer un bon coup d'aspirateur avant de mettre le tapis. Je l'ai acheté au marché dans mon quartier. N'hésitez pas à faire le tour de vos villes ou même aux alentours. Faire les marchés, il y a souvent des stands avec des prix très abordables. Là on est sur 80 euros, ça tourne entre 70 et 90 pour un 2,40 m x 3 m. C'est vraiment beaucoup plus intéressant que dans les grandes enseignes qui font des fois 2 à 3 fois le prix. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve bientôt, très bientôt pour de nouvelles vidéos.